Hey, salut à toutes et à tous mes petits bits, comment ça va ici Epsilon21 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Enserve. Derrière ce portail que nous avons aménagé avec la belle glace, etc. Même si vous pouvez voir avec la map qu'on est pile au-dessus d'un lac de lave, vous tracassez pas, tout va bien. Derrière ce portail se trouve un spawner à squelette. Et je vais du coup l'aménager. J'avais prévu de vous faire des timelapses. D'ailleurs, je vous avais même posté des tweets dans lesquels je vous montrais un petit peu l'avancement de mes rendus. Ces rendus m'avaient pris un temps de dingue à faire. Et malheureusement, j'ai mon SSD qui a été infecté par un virus. Donc, j'ai dû faire un reformatage de mon SSD. J'ai dû réinstaller Windows. Et du coup, j'ai perdu toutes les données qui étaient sur Minecraft. Parce que Minecraft est installé directement sur mon SSD pour avoir une meilleure fluidité au niveau de la vidéo. Donc voilà, j'ai perdu tous les timelapses, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, il y aura un timelapse. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Peace. J'ai actuellement quasi terminé la salle, donc vous pouvez le voir, il manque quelques blocs, c'est parce qu'on est encore un petit peu en dèche niveau bloc, etc. Ouais, niveau bloc de guerrier rouge, par exemple, bah là, j'en ai plus du tout, faut que j'aille refarmer, etc. Donc voilà un petit peu comment va ressembler la salle, je dois encore changer quelques petits détails, notamment genre mettre une carpette sur le hooper, mettre quelque chose pour bien protéger, pour bien faire en sorte que tout ce qui est visible, bah, personne ne le verra. Donc ici, j'ai fait en sorte que quand on se met sur ce bloc-là, on soit coincé donc sur cette partie-là. Donc on est un peu surélevé et du coup, on peut jeter des items assez facilement, genre, je sais pas moi, des... Bah ici, voilà des arcs normaux. Hop, bah, il n'y a pas besoin de les conserver. Donc, bim, on vient le prendre et on le jette là-dedans. Pareil pour si jamais il y avait une overdose de stuff ou quoi que ce soit. Donc, la salle se présente comme ceci. Donc, nous avons le portail qui est placé dans une première salle. Ici, c'est ouvert juste parce que je dois encore transférer les coffres, mais sinon, ce sera fermé. Donc, on a une belle salle ronde qui fait office d'accueil, entre guillemets. Du coup, quand on arrive ici, on est vraiment bien. On a la salle au niveau du centre, parce qu'on a une salle là, on a une salle là. Et dans cette salle-ci, bah, on a justement le farming de squelettes. Donc. Et voilà, en quelques coups, ils sont tous morts. Enfin bref. Donc voilà, c'est ici que vont arriver les squelettes. Vous voyez, genre, notamment ce genre de truc-là, il faut que je le change aussi. Donc il faut vraiment que tous les détails soient parfaits, mais je manque de blocs pour l'instant. Et ensuite, la dernière salle qui se trouve ici, eh bien, on va avoir tout ce qui est stockage d'items, etc. Et aussi, alors, stockage des arcs enchantés qu'on pourrait éventuellement dropper. On a un petit chemin qui va vraiment être genre dans le noir comme ça pour avoir le moins de lumière possible. Et on va arriver ici, enfin on va arriver à ce niveau-ci et on va alors pouvoir observer les squelettes qui vont alors dropper de là et qui vont descendre tranquillement et faire leur petit bout de chemin jusque là-bas. Alors ici évidemment normalement c'est censé être fermé. Ici aussi je veux juste check quelque chose. Hop hop voilà. Donc normalement ça doit vraiment être dans le noir comme ça. Hop. Et du coup on a juste à se mettre ici et à attendre que ça AFK. Et du coup je mettrai des vitres comme ceci pour qu'on puisse voir le spawner. À la limite je referais peut-être même bien le spawner à l'intérieur mais non. Juste se mettre là efficace, c'est déjà pas mal. Du coup, on a le petit chemin qui mène à l'endroit pour AFK. Et puis après, bah, hop, on redescend, on tape un petit coup sur les squelettes et on prend un max de niveau. Il me restera juste à installer la table d'enchant et je pense tout simplement ouvrir cette zone-ci. Ouais, bah écoutez, je vais ouvrir cette zone-ci. Et je crois même que le coffre de... Ouais, c'est ça. Bah écoutez, j'ai très bien placé le coffre. Wow. J'avais zappé, c'est vrai, on est pile au-dessus d'une faille. Du coup, on va placer les bibliothèques tout simplement comme ceci. Voilà, du coup, j'ai rajouté les bibliothèques. Il va falloir encore que j'en recrafte 3, mais ça va être vite fait. On a également alors des.
un petit aménagement que je vais vite fait faire ici au-dessus, mais ça va être vraiment très simple, très plat, hein. C'est juste pour pouvoir placer la table d'enchant au milieu de tout ça. Elle va juste se placer là, donc voilà, tranquillement. Bon, du coup, on a totalement terminé la construction, donc comme vous pouvez le voir... Ah, oui, ok, juste, j'avais oublié de refermer par ici. Donc comme vous pouvez le voir, je disais... Ici, on a un chemin qui vient et qui amène jusqu'à la zone d'AFK qui est juste ici. Donc on peut refermer la porte. La zone est totalement... Enfin, la zone d'éclairage fait en sorte qu'il n'y ait pas de luminosité ou le moins possible pour que le taux de spawn du spawner soit le plus rentable. Et du coup, je vais présenter ça à Nin. Comme vous pouvez le voir, il est connecté sur le serveur. Je vais aller en vocal avec lui tout de suite et je vais un petit peu avoir son retour de la pièce, un petit peu, vu qu'on est une petite team, et ben, on doit accepter les projets de chacun et se renseigner un petit peu. Donc voilà, moi je vais montrer ma déco à Nidnem. Donc je vous retrouve tout de suite avec Nidnem. Attends, j'arrive. Ah, c'est l'usine à zombies, j'ai oublié de préciser. Usine à À zombies. squelette, Ah oui. pardon, à squelette, pardon, À à squelette. squelette. Je suis à l'usine à squelette. Après, je te montre l'usine à zombies parce que je crois que je l'ai légèrement modifiée. Je la montrerai. Ouais, ça marche. C'est la zombie, c'est là où on a fait le. C'est Où il y celle où avait on l'usine à avait pêche. fait. Ouais, c'est ça, celle où il y a un sol tout dégueulasse là. Je crois que j'ai changé le sol en fait. Ah oui, t'avais fait un sol vert à la base. Ouais, c'est ça, sol vert un peu bizarre avec la terracotta. Oh. Je sais pas trop, ça a pas trop bien rendu, ça m'avait vraiment pas plu, du coup j'ai été rechanger ça. Du coup, tada! Ah, tu es encore en train de charger? Ah. Attends, je prends Voilà, du... du coup, c'est bon, tu lags un petit peu. C'est parce que Ouais, ma j'ai un peu... décoration est tellement bien faite, voilà. Ça fait laguer, apparemment. Non, ouais, j'ai eu un petit coup de lag. Rien de bien Attends, méchant, j'ai eu un petit coup je vais virer les de squelettes, ça va aller mieux. lag. Ouais. Voilà. Oh là là. C'est magnifique. En vrai, alors, du coup, j'ai pas revu la salle à zombies depuis que tu l'as modifiée, Ouais. mais Cette celle-ci, qu'est-ce que t'en penses du coup? Ah bah celle-ci, elle me fait kiffer. Franchement, les couleurs, elles sont tellement bien. Enfin, le noir et orange, Ouais, noir et ça... orange, c'est une bonne un bon Ah, mélange de franchement. couleurs, ouais. Ouais, ah, franchement, c'est ce que je kiffe le plus, ouais. C'est ce que je kiffe le plus parce que c'est... Enfin, l'orange, je sais pas, la couleur quand même qui est la plus facile à incruster, je pense, Ouais, c'est dans une clair que c'est construction. pas les blocs qu'on utilise le plus, effectivement. Mais ouais, parce que j'y connais rien en construction, mais t'as vu quand même. Non, mais en vrai, ouais, le noir et le orange, ouais, ça rend, ouais, les deux ensemble, ça rend vraiment super bien. Et le portail, t'as mis, enfin, derrière le portail, t'as mis J'ai du. mis Parce que du attends. noir comme par terre en fait, pour que ça soit Ouais. vraiment totalement homogène, qu'on puisse pas passer à travers. Si tu regardes bien, c'est du noir. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Et du coup, j'ai mis aussi un petit Ender Chest sur le côté, de quoi enchanter, vu que c'est surtout un spawner à XP, hein. C'est Ouais. pour récolter Oui, de oui. l'XP. J'ai mis Ouais. la petite poubelle juste ici, genre pour jeter les items et tout. Et Ouais. alors, j'ai fait une dernière pièce ici avec plein de coffres qui sont pas encore remplis, où on peut venir alors stocker tout ce qu'on a farmé, etc., qui ne nous sert pas, tu vois. Là, on a quand même un sacré bon stockage, hein, Ah déjà. ouais, mais j'ai été remettre le stockage d'avant là dans les coffres et on amasse deux trucs avec les arcs. Oui. C'est l'abus le plus total quoi. Ah bah oui. Ah bah les spawners à squelettes, en plus, alors après, faudrait voir s'il y a... Parce qu'enfin, il y a moyen de toute façon de l'améliorer. Ah ouais, il y a moyen de mettre, je sais pas, un système de grinder ou quoi. Tu Ouais, appuies c'est... sur un bouton, puis tu appuies une fois avec ton épée et bim, tu les tues tous d'un coup. Voilà. Ça, il y a moyen, ouais. Ou avec un C'est saut ça de ce que... lave aussi, je crois qu'il y a moyen. Avec un saut de lave, ouais, Ouais, avec genre t'actives le éventuellement... saut de lave, je sais pas combien de tics, et puis après il se retire. C'est un petit peu. Non, c'est pas comme les poulets. Enfin, si, c'est comme les poulets, mais. Sauf que les poulets ils ont 4 cœurs, alors que les zombies ils en ont 10. Tu vois, genre Ouais. les poulets, la lame elle vient, elle brûle, elle se casse. Sauf que ici, la lame elle vient, elle reste un peu, elle fait des dégâts, puis elle se casse. Et du coup, Ouais. il se tape des dégâts jusqu'à avoir un demi-cœur, c'est calculé précisément pour et tout. Et du coup, bah, t'as juste à pousser sur le bouton, à venir avec ton épée de préférence avec affilage. Enfin, comment, Ouais. c'est quoi le nom en anglais de Sweeping edge. Sweeping Edge et puis. Ouais. Zbim!
Ah oui, Mais Shukigan, c'est très moi je pratique. sors de, moi je les tue en deux trois fois. Genre quand il y en a vraiment beaucoup, je les tue en deux trois fois. Ouais, mais ça, en fait, pour expliquer du coup, enfin, je l'avais expliqué à mes viewers, mais je pas Ah forcément oui, les tiens, vas-y, mais du coup, vas-y. mais oui, pour expliquer ça, en fait, c'est le premier spawner que j'ai trouvé personnellement. Enfin, je sais plus qui l'avait trouvé, je sais plus si c'était moi d'ailleurs, mais enfin bon, on l'avait trouvé et en gros, on avait décidé de l'exploiter parce que bah, déjà, il est à côté de chez nous, hein, il est à quoi 200-300 Ah ouais, blocs de attendez. mémoire du genre Jour, et voilà. Donc notre base est ici et le spawner est juste ici en fait. Je montre une map en live. Voilà. Ouais, ça... mais voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, enfin, parce qu'à ce moment-là, maintenant on a l'usine à Enderman qui est Ouais, vraiment c'est l'usine la ça. plus pétée, hein. Mais à ce D'ailleurs, on moment-là, on a un l'avait pas. épisode là-dessus avec Anaïli très certainement. Très prochainement, sûrement, on va faire un épisode, elle et moi. Petit Et spoil. oui, le truc, c'est que bon, même si par le Nether c'est 8 fois plus rapide, on va pas s'embêter à chaque fois pour si on veut réparer notre stuff ou quoi, aller jusqu'au Stronghold. Enfin, personnellement, je compte pas faire ça à chaque fois. Du coup, Du c'est coup, bien bah voilà. d'avoir une petite salle ici et comme elle est bien Ouais. aménagée maintenant, c'est beaucoup plus agréable de venir farmer. Genre, moi, quand je veux réparer mes mendings, c'est ici que je viens. Hein. Oui. Ah oui, moi aussi, je m'embête pas à aller jusqu'au Stronghold. Je vais juste, enfin, je vais jusqu'à l'usine Enderman T'as perdu ton quand j'ai stuff. un. Quand t'as perdu ton Oui. stuff. Oui, c'est ça. Quand il y a vraiment beaucoup de stuff à réenchanter et tout ça, parce que Ouais. ça va juste trop péter, hein, l'usine Enderman, Ouais. en termes d'XP, puis bon, oui, les Enderperles, mais bon, c'est surtout l'XP qui fait que c'est pété. Mais voilà, là, on a vraiment cette usine-là à côté de chez nous, qui est toute bête, hein, parce que je l'ai vraiment faite de la façon la plus simple, en fait. C'est juste un courant d'eau qui fait tomber les squelettes. Ils se prennent juste un petit dégât en tombant, mais rien de méchant, quoi. Et en fait, voilà, c'est vraiment tout bête, c'est juste une façon de les rassembler sur le même bloc et de les taper plus facilement. Mais y a rien Ah d'exceptionnel. Voilà. ouais, bah oui. Donc Comme je dis, voilà, mais c'est bien elle quoi. On farme quand même assez bien. Genre, est... ici j'ai fait un AFK de 20 minutes. J'étais niveau 9. Bah maintenant je suis niveau 32. Voilà. Pour donner Ouais. un ordre d'idée de plus ou moins de l'XP qu'on peut récolter. Sinon, il y a une Ouais. autre salle aussi que je voulais te montrer. Donc, t'as trouvé un deuxième spawner. Enfin, notre groupe en Ouais. tout cas a trouvé un deuxième spawner qui est un spawner à zombies. Qu'on a exploité pour récolter la chair putréfiée. Ouais, qui ça pour le coup, ça nous sert plus pour les trades avec les villageois. Voilà, c'est ça. Ah. Voilà, j'ai juste Ah oublié oui, de changer derrière le portail. Donc avant, le sol était vraiment comme ça, en vert un peu dégueu et j'aimais pas trop. Ici, j'ai mis du blanc par terre avec des petites nuances de gris. Et je trouve que ça rend vraiment mieux, tu vois, ça éclaire plus la salle que le vert là était. Bah, le vert pique un petit peu les yeux, c'est sûr, mais il est pas. Il est... Non, mais en toute franchise, il est pas non plus désagréable, je trouve. Enfin, il me déplaisait pas Ouais, mais le problème c'est que je savais comment... pas comment le vert. gérer les motifs, etc. Il faut se Ouais. placer dans des positions assez. Tu vois, genre ici aussi, j'ai oublié de remodifier les blocs. Mais voilà, ce sera ce design-là, le design final. Voilà, Ouais. on Ah récolte. oui, non, mais super. Et ça, c'est des. Ça, c'est des. Ah oui, de maintenant, je me souviens, tu m'avais demandé pour aller dans l'End, pour aller Oui, c'est chercher ça. des. Je t'avais demandé Je me de souviens. récolter ça pour pouvoir faire la salle. Oui, je voulais exploiter en fait ces blocs-là parce que je les avais jamais utilisés au final. Et j'ai refait le même enfin niveau de la structure, c'est exactement la même. C'est juste que j'ai remplacé les blocs orange par du rose et le sol, je l'ai fait en blanc. Mais c'est pour faire une petite Ouais. variante, tu vois, essayer de voir un petit peu ce qui est possible de faire avec du rose. Et franchement, c'est pas facile de construire avec du rose. Ah non, c'est pas forcément Ouais, évident, mais franchement, c'est là pas facile du tout, hein. après l'avantage du blanc, parce que c'est quoi? C'est du quartz que t'as mis, je Non, c'est pas suppose. du quartz, il me semble que c'est le bah ouais, le béton blanc, c'est du béton blanc. Ah, du béton blanc, Ouais, ok. c'est ça, c'est le Ah ouais? nouveau bloc, le béton blanc, comme j'ai utilisé le noir pour l'autre sol. Et le blanc, il est vraiment blanc blanc, tu vois, il se lit bien. Ouais. Il y a Ah pas oui, il est carrément y a blanc. pas de fioriture sur le bloc, c'est vraiment du blanc blanc quoi, il n'y a pas un pixel qui est différent. Ouais, parce que tous les parce que Tous les les blocs finalement qu'on tous les avait autres avant, ouais. blocs blancs, ouais, bah, que ce soit le quartz ou même les comment ça s'appelait? Les bonnes blocs qu'il y a maintenant. Ouais. Les bonnes blocs qui sont enfin
Ouais, je crois que ouais, en fait, dans les deux Non, les sens, il y a bone une espèce de blocks, en rond fait, noir. ouais, il y a une, un rond comme si, tu sais, t'avais coupé un os en deux et que t'avais Ouais. l'intérieur, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu crade. Ouais. C'est un petit peu Et crade. voilà, et du Mais coup, cette oui, c'est ça. usine-ci, c'est juste des zombies, donc voilà, qui tombent sur un bloc de... Comment ça s'appelle ce Magma. bloc? Un magma bloc. Et Ouais. il suffit juste de se placer ici. On a calculé que quand on est placé pile ici, enfin j'ai calculé, quand on est placé pile ici, que le spawner est toujours activé et on peut du coup farmer tranquillement avec une usine à canne à pêche, avec la réception qui est juste là. Et du coup, on farme et en même temps, on peut récolter du coup bah, de la chair putréfiée. Donc voilà, Voilà, j'ai... et cette chair putréfiée à nous sert pardon tout À simplement baiser les traîner avec villageois, ouais. exactement À trade avec les exactement villageois, donc. Donc voilà, je sais pas. Voilà. En gros, les premiers designs de nos bases. Donc voilà, tout est relié par le Nether, ce qui est bien. Du coup, on pop bim dans la salle et y a rien d'autre à modifier, quoi. ah oui. Tout est lié, enfin vraiment tout est, Ouais. enfin en sachant que ce sont des usines, enfin, pas personnelles, hein, tous les membres du serveur y ont accès C'est évidemment, ça. mais c'est des usines qui sont vraiment proches de notre base, quoi, donc Ouais, elles ont été faites ouais, quoi. pour notre utilisation principale, quoi. Maintenant, si quelqu'un Ah d'autre oui. venait à les utiliser, Ouais. c'est avec plaisir. Oui, évidemment. Donc voilà, un petit Évidemment. peu. En sachant que cette usine est pareil, elle est améliorable dans le sens où celle-ci, le but, c'est pas de récupérer d'XP, comme on dit, c'est vraiment de farmer la Rotten Flesh, en sachant qu'elle est améliorable aussi en. On pourrait faire un espace aussi, mettre une épée à disposition avec ne serait-ce Mending et Looting 3, Sweeping Edge ou un truc comme ça, Smite pour les zombies. Ouais. Et genre, on pourrait C'est vrai taper qu'on en les. récolterait plus avec ça, mais maintenant il faudrait les taper, quoi. Ouais, Et voilà, c'est ça. comme je sais pas pourquoi, mais à chaque fois tu fais tomber les zombies et tu fais ta salle pile à côté de là où il y a l'eau, alors qu'en fait il aurait fallu peut-être les éloigner de quelques blocs encore. Enfin, ici pour le truc à zombies, c'est pas trop grave, mais tu vois, ils sont toujours un par un en fait. Ça c'est Comment parce ça se que. sent? Là, tu vois, il y a toujours un seul zombie, Ah. bim, et puis après, bah voilà, juste un seul autre qui va arriver. Ça c'est parce que. Cette salle-ci, elle éclaire une grosse partie de la... Ah, mais il y a encore une torche au-dessus du spawner. Ça Comment réduit ça se fait ça? le... Tu vois la torche au-dessus du spawner, Ouais, mais comment? Parce que ça produisait beaucoup plus que ça. What the fuck? Attends. là? Attends. Faudrait que je Vas-y, trouve un moyen de viens par retourner. ici. Je sais pas pourquoi. Parce qu'avant, elle produisait beaucoup plus que ça me paraît bizarre, Attends. c'est pour ça. Là, il Mais y a oui, de il y a une torche, l'eau. effectivement. Je sais pas d'où elle sort, cette torche. Voilà, ici. Ouais, c'est ici, ouais. Ouais, je me souviens de Ah, cette salle. attends. C'est la Attends, je vais. galère. Attends. Hop. Hop. Ah ouais, mais j'ai pas compris non plus. Et alors, du coup, en fait, ouais, mais la salle, du coup, tu Hop, vois hop, hop, hop. jusque ici, jusque, allez, compte 3 blocs en dessous de l'endroit où il y a le trou, eh ben, ces 3 blocs-là, ils sont pas spawnables déjà, de base. Ouais. Ah bah oui, du coup, oui, forcément. Mais là, par contre, il faut quand même plus spawner. Je sais vraiment pas d'où elle sort, hein, Par contre, cette torche. mettre, je sais pas, il sait rien. Mettre, t'as mis de la De là. redstone là, genre, tu vois, alors à chaque fois qu'un Où zombie ça? passe, ça s'allume aussi. Attends, où ça? Ah bah je l'ai viré, je l'ai enlevé, vas-y, Hein? viens, sors. Donc normalement maintenant ça devrait spawn Ouais. un petit peu mieux. Mais bon, ça reste quand même Ouais. un système qui est pratique, on reste à AFK et on Oui. peut farmer deux trucs en Oui. même temps, quoi. Donc c'est vachement vachement utile. Oui. D'à côté, parce que là, vous voyez, on est arrivé, il y avait un stack ennemi, et là, on a déjà un demi-stack en plus, en sachant Ouais. qu'il y avait une torche au-dessus, et l'arc, ça arrive en plus grand nombre, là, déjà. Voilà, ouais, bah voilà, que ça c'est voilà, voilà. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Vraiment comme ça. Attends, je vais baisser le son, parce que ça me brille les oreilles. Au départ, il spawnait comme ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas d'où est sortie cette torche. Mais ouais. Mais voilà, déjà ils arrivent en plus grand nombre, ouais. Ouais, c'est ça. Et Bah, là, vous voyez, ça sent le je suis brûler. content que tu aimes le design des salles en tout cas. Ah oui, j'aime bien. Et Honnêtement, j'aime bien. puis sur Enserve, on est beaucoup plus actif malgré tout que sur Celementia, donc je pense qu'il y a moyen de faire. Enfin, comme je vous ai dit, moi personnellement, je vais faire des projets qui sont en collaboration, donc vous pouvez voir première vie enfin deuxième vidéo, je suis déjà avec Nidname. Donc Oui.
Ça promet, mais voilà. En gros, il y aura encore plein d'autres constructions. On sera, enfin, moi perso, je ferai jamais de raid tout seul. Enfin, très peu de raid tout seul. Donc voilà, il y a encore plein de trucs à faire, etc. Mais je suis content que t'aimes bien malgré tout. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans les deux salles, c'est que c'est deux styles différents. Enfin, deux styles dans les couleurs. Ouais, Parce que c'est dans le ça. design, Dans dans le la design, c'est construction. exactement le même normalement. Voilà, c'est ça. Mais les couleurs sont. En fait, il y en a une qui est sombre, une qui est claire. Personnellement, j'ai une préférence pour la sombre. Ouais, Mais moi ça, c'est aussi. parce que j'adore le noir et le orange. Donc, mais celle-là est vraiment très sympa aussi. Le violet et le blanc, avec les nuances de gris, évidemment, 50 nuances de gris, hein, on apprécie. Mais. Y a beaucoup de gris. Hein. Ah oui. Mais honnêtement, ça rend bien l'andésite, les dalles. Ouais. En toute franchise, j'aime beaucoup aussi. Et le blanc, le ciment blanc rend vraiment très bien. Ouais, mais le ciment rend bien parce qu'il est uni comme ça. J'aime beaucoup, moi, quand c'est uni. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand il y a des. Parce que, en fait. En fait, terracotta et ciment, c'est pas la même Non, chose. terracotta, c'est ça. C'est le motif. Ouais. Le motif, chaque couleur a son motif. Et puis le béton, c'est un truc qui est totalement uni. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça le truc. C'est que. Je pense que la terracotta est. Enfin, faut être habitué pour la gérer parce que c'est un petit peu bizarre quand même. Ouais, c'est D'ailleurs. enfin, le placement est difficile. Ouais. Quand ces blocs-là sont apparus, tout le monde était en mode what the fuck, Ouais, ils ont encore c'est bien de la joué. merde. Ouais, je m'en rappelle. Mais finalement, je pense que quand c'est bien géré, d'ailleurs, alors je sais pas si c'est volontaire, je suppose que oui, c'est normal que t'en aies laissé ici. De quoi? Ah Des oui, blocs de mais terracotta. oui, c'était pas. Non, c'est pas volontaire du tout. C'est juste moi qui ai oublié. Ah d'accord, parce C'est que j'allais tout. dire que ça rend bien. Ah, ok. Non, c'est parti pour être changé, ça, normalement. D'accord. Non, parce qu'en toute franchise, ouais, je trouve que ça c'est pas choquant en tout cas. C'est pas choquant du tout. Bah, c'est assez clair, hein, finalement. Ouais. C'est vrai que ça fait un peu bizarre vert et violet, mais vu que les deux sont assez clairs, c'est pas non plus si choquant. Attends. Ah, alors par contre. Ouais, voilà. On a récupéré de la merde. On peut récupérer toute la rotten flèche. Au passage. Voilà. Tu Parfait. ramènes la rotten flèche à la base alors. Bah ouais, hein, autant faire une pierre deux coups. Ouais. Bon, en tout cas, Mais en tout cas, ouais. merci d'être venu regarder et de m'avoir donné ton avis. Et puis Ouais. bah on se captera sûrement dans d'autres vidéos. Oui. Voilà. Sans souci. Sans souci, évidemment. Attends. En tout cas, mes petits bits, merci à tous d'avoir regardé. Merci à toi Ninem d'être venu me donner ton avis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction, et puis prenez soin de vous. Peace. Bisous.